c'est différent, hein. C'est clair. Bah, c'est un moteur 4 temps. Hein. Viens écouter le mien, viens écouter le mien. T'accélères un petit peu. On vivra avec son temps. Là t'accélères un petit peu et puis il se passe rien. Ouais mais avec ça tu fais du 3 litres au 100. Toi combien tu fais avec ton Vespa, ton PX? Je vais calculer, je ne sais pas. Tu sais pas, tu t'en fous? Alors voyons ça. Et ben ça, petit moteur 4 temps, refroidissement par air, encore un carburateur. Ouais. 3 litres, 5 au 100. Tu fais 300 km avec un plein. Ouais. Petit scooter indien quoi. 2 299 €. Tu vois, tu... Non, pour le prix, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bien sûr. Sur le deux temps à terme, c'est terminé, hein, donc on n'a pas le choix. Bon, il faut savoir que Piaggio va quand même ressortir le modèle deux temps. Ouais. Mais LML, ça fait, enfin, dès que Piaggio a fermé ses usines, LML a repris le business et s'est remis à vendre donc des copies de PX. Et puis bon, bah, ils cherchent un peu à voir vers l'avenir et donc ils ont développé ce petit moteur 4 temps. Moi je trouve que c'est... Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est sûr qu'il a roulé. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Je te l'ai prêté. Moi, ce que j'imaginais, c'est vraiment au démarrage. C'est extrêmement poussif. Ouais. Alors, une fois qu'on est lancé, ça va, mais vraiment au démarrage, c'est... Pas assez de patate. Pas assez de patate. Ouais, c'est vrai que c'est mou, mais... Alors, le temps, ça part tout de suite. Et pour des petits trajets urbains, pour se promener dans Paris, t'as pas non plus besoin d'un moteur de motocross, quoi. Plus déplacé. Ouais. Et toi là, quand tu le regardes, par les finitions, par rapport à ton scooter Vespa, ça a l'air correct. Ça sort des mêmes usines en fait. Ça a l'air correct, hein. La peinture est plutôt pas mal. Après, faut voir l'usage. Ouais, les petits chromes. Moi, ça me. Je trouve que les plastiques là, ils sont pas très réussis. Ouais, les chromes indiens. Sinon, au niveau italien, de l'assemblage, c'est pas mal. Hein. Non, après, c'est correct. Là. Ce qu'il faut voir, c'est que toute la partie arrière du scooter a été modifiée. C'est plus du tout comme un PX en fait, hein. Il y a des longerons, bref, ils ont dû tout réadapter pour caler un 4 temps. Ok. Non mais c'est sympa, c'est bien d'exister, c'est un prix correct, c'est une alternative pour ceux qui veulent pas un scoop plastique variateur. C'est bien, mais je préfère mon 2 temps.